Salutations, tête de nasse, c'est le petit chef. Et bienvenue pour cette petite review de Boruto, épisode 73. Oui, c'est moi qui va parler de Boruto. Parce que mon frère, il a arrêté de regarder. Donc, voilà. Oui. Bon, du coup, on va parler de l'épisode 73. Mais avant ça, on va quand même parler un petit peu des épisodes qu'il y a eu avant. Parce qu'on n'en a pas parlé. Et il y a eu pas mal de trucs intéressants et des trucs OSEF aussi. Mais on va survoler vite fait et après on viendra à l'épisode 73. Petit résumé, là Boruto arrive au 73e épisode et il y a eu des petits trucs OSEF un petit peu avant. Et ça a rattrapé le film. Donc les événements avec Leo Tsutsuki, la Momoshiki et tout qui viennent se foutre sur la gueule avec Naruto et tout. Il y a eu ça et c'était vachement bien. D'ailleurs l'épisode 68, il me semble que c'était celui-là, avec le combat Momoshiki Naruto. Il déchirait sa grand-mère cet épisode. Un des meilleurs épisodes d'animé que j'avais vu depuis bien longtemps. C'est un truc de fou. Et ensuite, il y a eu un espèce de petit arc de 3-4 épisodes avec l'équipe 10, donc l'équipe 10, Shikadai, Inojin et Chocho, là. Les gamins de Shikamaru, là. Et l'équipe 7, qui devait s'occuper d'un acteur ou je sais pas quoi, là. C'était un arc un peu OSEF. D'ailleurs, un peu chelou, d'ailleurs. Parce que, genre, pendant tout l'arc, t'as Chocho, la fille de Shoji, la petite grosse, qui utilise le mode papillon, et qui après, qui devient maigre. Et donc, du coup, elle reste maigre pendant l'arc, et genre, elle a une espèce d'histoire d'amour avec l'acteur. C'est trop malsain, en vrai. Genre, dans Boruto, il doit avoir 13, allez, 12-13 ans. L'acteur, il doit en avoir une vingtaine d'années, le mec. Et il va rouler des paloches à une gamine. Ça a dérangé personne. Genre, c'est d'accord, c'est un arc OSEF, mais quand même. Putain, c'est Émile Louis, le mec. Ça craint, quand même. Donc ensuite, là, on est à l'épisode 73. Enfin, plutôt, ça a commencé au 72. Il y a un nouvel arc qui a été annoncé, donc il commence là. Un nouvel arc écrit par Kishimoto lui-même, apparemment. Et l'arc met en avant Mitsuki. Tu sais, le gamin de Orochimoncu, là, le mec trop chelou là. Ouais, et ben l'arc a commencé, mais sauf qu'il y a un petit problème. Genre, ceux qui ont regardé l'épisode, ceux qui ont vu un peu comment ça débute, ils doivent se dire un truc, c'est que ça ressemble un peu à Naruto. Genre, là, t'as Mitsuki, sans prévenir comme ça, hein, il défonce des mecs du village de Konoha et il se barre. Ça rappelle l'arc Sasuke là, où il se tire chez Orochimaru. Sauf que l'arc Sasuke, où Sasuke se barre, on savait qu'il allait se barrer, enfin qu'il allait se barrer, mais on savait pas ce qui allait se passer après. Vous savez, on pouvait s'attendre à baston Naruto Sasuke, bref. Tiens, mais là, ça n'a aucun sens. Pourquoi ils font partir Mitsuki? S'ils essayent de lancer une intrigue, genre Mitsuki mystérieux, tralala. Mais je comprends pas l'intérêt. Parce que ceux qui ont lu le manga, sachant que le manga a de l'avance, ils savent que cet arc ne va n'avoir aucune influence sur la suite. Donc c'est un peu con. Donc, début de cet arc, épisode 73, donc épisode de cette semaine, il y a Boruto et Sarada qui décident de partir à la recherche de Mitsuki. Scénario basique, on va dire. Et pour commencer d'aller chercher Mitsuki, ils vont voir Orochimaru. Et là. Ils vont voir Orochimaru et ils vont lui demander, ouais, il est où Mitsuki? Il paraît où? Toi, c'est censé être ton gamin, tu sais où il est. Là, tu lui fais non, j'en sais rien, cassez-vous. Donc, bah, du coup, ils s'en vont, ils vont partir chercher Mitsuki. Sauf que, y a un truc, c'est que t'as Boruto et Sarada qui débarquent dans le laboratoire d'Orochimaru. Et ils voient, y a plein de Mitsuki dans des éprouvettes. Et ça crée un peu une incohérence avec le manga en fait. Parce que pour ceux qui ont lu le manga, là, le chapitre précédent, là, qui est sorti le mois dernier, je crois, il y a un moment où Mitsuki révèle au groupe que c'est un clone d'Orochimaru. Alors que là, ils le découvrent d'eux-mêmes. Ils vont dans le repère d'Orochimaru, ils le découvrent d'eux-mêmes. C'est un peu chelou, ça crée une incohérence du coup. C'est comment, c'est jusqu'à présent, l'anime, bon, il était un peu décalé par rapport au manga, mais ça restait quand même. Des événements se suivaient sans créer d'incohérence ou quoi que ce soit. Mais là, ça va en créer une grosse. Parce que
tout le mystère de Mitsuki est en train de foutre le camp, en fait. Parce que jusqu'à présent, dans le manga, on n'en a quasiment rien appris. On sait juste que c'est le gamin d'Orochimaru. On sait qu'il sait se servir du mode ermite. Et c'est tout. On sait rien de plus. On sait pas, d'ailleurs, avant, on sait pas si c'est un clone ou si c'est vraiment son gosse. Enfin, si, on sait que c'est un clone parce qu'il y en a plusieurs, mais je veux dire, on sait pas d'où, le pourquoi du comment. Alors que là, ça y est, l'arc qui commence, boum, dans ta gueule. Ils apprennent directement qu'il y a plusieurs Mitsuki. Ils apprennent que c'est un clone, alors que c'est normalement, dans le manga, ils savent pas tout ça. Ils sont pas censés savoir. Ça casse un peu le mystère, je trouve. Donc c'est ça, je comprends pas. C'est que l'épisode, c'est un épisode d'exposition. Hein, ça commence le nouvel arc. Mais je comprends pas pourquoi ils font ça. Ce l'arc n'a aucun intérêt en fait. Ils sont en train de foutre en l'air tout ce qui est intéressant avec Mitsuki. C'est le but, c'est un peu de le découvrir au fur et à mesure. À chaque fois, dans les chapitres du manga, tu vois, à chaque fois, il balance une petite info sur lui. C'est des petits trucs. Ah, d'accord, tu lis ça, tu dis, ah, ok. Mais là, non, il te balance ça d'un coup. Puis surtout, qu'on sait toujours pas pourquoi il s'est barré. Bon, après, c'est ça l'intérêt de l'arc. Mais pourquoi? Je comprends pas. C'est là, non. J'arrive pas à me sentir hypé par ce nouvel arc. C'est encore les autres arcs, voilà, bon, le truc un peu OSEF avec Chocho, d'accord, mais le truc du film, par exemple, même si on l'avait déjà vu, on l'attendait, tu vois, c'était, vas-y, qu'est-ce qu'ils vont faire, tu vois. Mais là, avec le nouvel arc, bon, pour l'instant, ça fait que 2 épisodes, mais ça. J'ai pas l'impression qu'ils vont quelque part, en fait. Aussi, dans cet épisode, du coup, ça part un peu en délire. Le Hokage, ils font, ouais, il y a Boruto qui s'est barré et tout, on va envoyer une équipe pour aller les chercher. Et ils font encore la même connerie, enfin je trouve que c'est une connerie, la même connerie que dans Naruto. Je sais pas si vous vous souvenez, au moment où Sasuke se barre, il est presque classé comme criminel, le gars. Et c'est qui qu'ils envoient? Des aspirants ninja. Et ben là, ils font la même chose. Bon, sauf que là, ils sont accompagnés de leur maître, mais. Genre, pour aller chercher Boruto et Sarada, ils envoient l'équipe 10. Donc, Ino Shikasho. Donc là, apparemment, au prochain épisode, ça va être une baston entre les 2 équipes. Sauf que c'est une baston qui va n'avoir aucun intérêt, je pense. Ça va sans doute être stylé hein, de les voir se friter, surtout après l'examen que Boruto a triché avec l'outil ninja, là. Le Shikadai, il doit avoir la haine, tu vois. Il doit avoir envie de lui en mettre dans la gueule au Boruto, tu vois. Donc je pense que ça va être un épisode intéressant. Mais là, franchement, pour l'instant, ça fait déjà 2 épisodes. L'arc, il commence, mais c'est pas ouf, hein. Je comprends pas l'intérêt de cet arc. Je sais même pas pourquoi ils font ça. Après, on va voir la suite, mais pour l'instant, je sais pas. Et c'est perturbant. Ça se trouve, on bouffe encore 10 épisodes comme ça. Ça va pas être cool, quoi. Ils sont partis bien, le film. Ils ont fait un arc de merde avec la Chocho. Puis après, là, ils annoncent un arc avec Kishimoto qui est derrière. Tu te dis, putain, ça va être bien. Mais en fait, non. Pour l'instant, c'est de la merde. Donc voilà. J'ai envie d'attendre la suite, mais j'ai envie de dire merde. Ça craint, quoi. Bon, bah voilà, quoi. Pour l'instant, il n'y a rien de plus à dire sur l'épisode de cette semaine. Parce que, en fait, c'est le début d'un nouvel arc. Donc il n'y a eu que du blabla dans l'épisode. Donc il n'y a rien de plus à dire, en fait. À part espérer que ça devienne bien. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas ouf. Enfin, je me répète, je sais, mais. Franchement, hein, faut regarder quand même, parce que, bon, pour ceux qui aiment Boruto, faut regarder, parce que c'est un nouvel arc, donc ça va peut-être devenir intéressant. Mais pour l'instant, là. Enfin, après, pour moi qui ai lu le manga, c'est vrai que tout le monde ne lit pas les scans. Moi, je sais, c'est illégal, ou le manga, ou bref. Tout le monde n'est peut-être pas à jour là-dedans. Mais pour ceux qui ont lu le manga. Enfin, moi, j'arrive vraiment pas à voir l'intérêt de cet arc-là, parce que je sais que tout ce qui va se passer n'aura aucune influence sur la suite. Enfin, en tout cas, de là où c'est arrivé pour l'instant, le manga. C'est le truc de Mitsuki, il s'est barré, mais on sait qu'il va revenir. On sait très bien qu'il va revenir et qu'il va rien avoir, le mec. Donc, je comprends pas. Je capte pas pourquoi. Je le répète, hein, mais vraiment, je ne vois pas l'intérêt. Pour l'instant. Donc voilà, l'épisode 73, c'était sympa, mais pour l'instant, faut pas s'attendre à du ouf.
Faut pas s'attendre à grand-chose. Faut juste attendre. Voilà, on verra ça la semaine prochaine. Mais pour l'instant, voilà quoi. Le vide. Bref, du coup, ben voilà, c'était mon avis sur l'épisode 73. C'était un peu vite fait, je sais. C'est normal, il n'y avait pas grand-chose à dire. Et aussi, surtout pour montrer que je suis là, que je vais parler de Boruto maintenant. Parce qu'il y a des gens qui demandent. Et mon frère, il regarde pas. Et moi, je regarde. Donc, ce serait con de pas le faire. Donc, du coup, voilà, review de Boruto maintenant. C'est Bibi qui s'en occupe. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. Apparemment, le prochain épisode, ce sera un épisode spécial d'une heure. Du coup, je me demande pas s'il va pas être décalé à une semaine encore. Je sais pas du tout, mais la rumeur parle d'un double épisode 74-75. Un épisode d'une heure, 45 minutes, je sais plus, où il y aura la baston équipe 10, équipe 7. Donc on verra bien et on en reparlera bah, quand ça sortira, tout simplement. Hein. Une petite impression à chaud, on en parlera, et puis voilà, on se mettra bien, tranquillement et posément. Ouais. Petite information aussi, pour ceux qui savent pas, ça fait presque 6 mois maintenant que je fais des lives. Moi, petit chef, pas mon frère. Mon frère, il fait les lives de la passion, ça vous savez. Et moi, je fais des lives aussi sur des jeux vidéo toute la semaine, du lundi au vendredi, 21h30 minuit. C'est des horaires approximatifs, hein, parce que des fois ça peut commencer plus tard, des fois ça peut commencer plus tôt, mais ça terminera toujours à minuit, ça c'est sûr. Voilà, donc si vous aimez les jeux vidéo, que vous aimez partager ensemble, que vous avez rien à foutre de votre soirée, vous pouvez venir en live, voilà, faire des dons, s'abonner pour la passion et tout. Vous savez, vous connaissez les bails. Donc les lives, c'est sur Twitch et sur YouTube. Donc je fais les deux, comme ça vous pouvez choisir ce que vous voulez. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui regardent ça sur leur téléphone, qui ont la flemme de télécharger une autre application. Parce que oui, sur téléphone, il faut télécharger l'application, c'est chiant, ça prend de la place. Donc du coup, il y a le choix. C'est soit vous allez sur Twitch, soit vous allez sur YouTube. Mais dans les deux cas, c'est la même chose. Après, bon, il y en a qui préfèrent Twitch. Mais ça change pas grand-chose finalement. Mais c'est juste, je vous informe que vous avez le choix, que vous pouvez choisir la plateforme que vous voulez. Et comme ça, bah, on peut se mettre bien et tout. Voilà, c'est tout pour la review de cette semaine. À bientôt. Abonne-toi. Mets un pouce. Ouais. Au revoir.